Bonjour dans le monde des langues, dans une nouvelle leçon de conjugaison, pages 140 et 141. J'observe et je découvre. Phrase A. Choisis l'endroit convenable pour doubler. Phrase B. Roulant en respectant la distance obligatoire entre les véhicules. Phrase C. Avertissez le piéton fautif par un coup de klaxon. Question numéro 1. Souligne les verbes conjugués. Les verbes conjugués sont: dans la phrase A, choisis l'endroit convenable pour doubler. C'est choisi. Roulant en respectant la distance obligatoire entre les véhicules. Le verbe c'est roulant. La phrase c'est avertissez le piéton fautif par un coup de klaxon. Le verbe c'est avertissez. Consigne numéro 2. À quelle personne sont-ils conjugués? Choisis, il est conjugué à la deuxième personne du singulier. Roulant, c'est à la première personne du pluriel. Avertissez, il est conjugué à la deuxième personne du pluriel. Question numéro 3. À quel temps sont conjugués ces verbes? Ces verbes sont conjugués à l'impératif. Question numéro 4. Réécris la phrase B en t'adressant à une seule personne. Roule en respectant la distance obligatoire entre les véhicules. Question numéro 5. Pour chaque verbe que tu as souligné, donne son infinitif, son groupe et la personne à laquelle il est conjugué. Phrase A. Le verbe choisir, c'est un verbe du deuxième groupe. Il est conjugué à la deuxième personne du singulier. Phrase B. Le verbe roulant est conjugué à la première personne du pluriel. C'est un verbe du premier groupe. La dernière phrase, avertissez, c'est un verbe du deuxième groupe. Il est conjugué à la deuxième personne du pluriel. Consigne numéro 6. Souligne les verbes à l'impératif présent. A. Respecter la priorité. Le verbe c'est respecter. Il est conjugué à l'impératif. B. Je roule en faisant attention. Le verbe c'est je roule. Il est conjugué au présent de l'indicatif. Phrase C. Vous ne respectez pas le code de la route. Ici le verbe vous ne respectez pas. C'est un verbe conjugué au présent. Phrase D. Choisissant la vitesse minimale dans les agglomérations. Le verbe ici, c'est choisissant. C'est un verbe qui est conjugué à l'impératif. Phrase E. Ralenti à la vue d'un barrage de gendarmes. Le verbe, c'est ralenti. Le verbe ici est conjugué à l'impératif. Consigne numéro 7. Complète avec le verbe à l'impératif présent à la personne demandée. Phrase A. Stationnez là où vous ne gênez pas les autres. Phrase B. Utilisant le clignotant pour changer de direction. Phrase C. Ralentis à l'approche d'un rond-point. Phrase D. Serre bien à droite pour t'arrêter. Phrase E. Respectant les feux de signalisation. Consigne numéro 8. Écris une phrase avec chaque verbe à l'impératif présent et à la personne indiquée entre parenthèses. A. Circuler à la deuxième personne. On va dire circuler doucement. Le verbe choisir à la première personne du pluriel. On va dire choisissant le meilleur conducteur. Phrase C.
Marque ta présence avant de quitter la salle. Phrase D. Fournissez plus d'efforts la prochaine fois. Consigne numéro 9. Réécris les phrases suivantes à l'impératif présent. Phrase A. Tu traverses la voie quand le feu est au rouge. On va dire « traverse la voie quand le feu est au rouge ». Phrase B. Nous donnons la priorité aux piétons. On va dire « donnons la priorité aux piétons ». Phrase C. Vous marquez le stop. On va dire « marquez le stop ». Phrase D. Tu ralentis à tous les croisements. On va dire « ralentis à tous les croisements ». Consigne numéro 10. Écris deux phrases avec un verbe conjugué à l'impératif présent. Exemple numéro 1. Présentez vos papiers de voiture quand le policier les demande. Ne conduisez pas trop vite. Regarde à droite et à gauche avant de traverser la route. Empruntez le passage piéton. Ne joue pas dans la rue.